الإمارات ومن مصر والأردن كي تحل محل الجيش الإسرائيلي في غزة. ونفس حفظة تمز في إسرائيل قالت إدارة بايدن إنها تدرس إرسال قوة حفظ السلام تقودها الولايات المتحدة عن بعد. إحنا خلاص بعيد، إحنا مش هنعص إيدينا، ولكن إحنا هننشر قوات من مصر والمغرب والإمارات. Possible aujourd'hui pour un journaliste de travailler à l'intérieur de la bande de Gaza. On est condamné à travailler à distance. Avant la guerre, c'était le Hamas qui autorisait quel journaliste pouvait ou non travailler à l'intérieur de l'enclave palestinienne. Mais désormais, cette zone est fermée et contrôlée par l'armée israélienne. Donc, vous l'avez dit, si on veut y travailler, il faut soit être journaliste palestinien et vivre à l'intérieur de l'enclave palestinienne, soit si vous êtes un journaliste occidental, vous devez demander une autorisation à l'armée israélienne. Et dans ce cas-là, vous astreindre à filmer uniquement ce que Tsahal acceptera de vous montrer. Donc déjà, c'est extrêmement frustrant. Et en plus, le feu vert est très difficile à obtenir. J'en avais fait la demande en novembre dernier. Qui est aujourd'hui pour un journaliste de travailler terrestre à l'intérieur israélienne, à l'intérieur de la bande de Gaza. Et cette demande était restée avant la guerre. C'était le Hamas qui a réussi à faire un reportage de manière indépendante. C'est la journaliste de CNN à l'intérieur de l'enclave palestinienne. Mais désormais, cette zone est fermée et contrôlée par l'armée israélienne. Vous l'avez dit. De si on veut y travailler, il faut soit être journaliste palestinien et vivre à l'intérieur de l'enclave palestinienne, soit si vous êtes un journaliste occidental, vous devez demander une autorisation à l'armée israélienne et dans ce cas-là, vous astreindre à filmer uniquement ce que Tsahal acceptera de vous montrer. Donc déjà, c'est extrêmement frustrant et en plus, le feu vert est très difficile à obtenir. J'en avais fait la demande en novembre dernier, quelques jours seulement après l'incursion terrestre de l'armée israélienne à l'intérieur de la bande de Gaza et cette demande était restée lettre morte. Seule une journaliste a réussi à faire un reportage de manière indépendante, c'est la journaliste de CNN.